Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bigana Stratégie. On est reparti pour une mission de Zerbillions en mode apocalypse toujours. Alors je rappelle un peu le contexte, l'humanité a été quasiment décimée. Il reste quelques petits groupes qui se sont terrés dans des endroits protégés, comme ici on le voit, une ville dans un cratère. Et il a été décidé qu'il fallait attaquer le mal à la racine. Donc on va essayer de progresser, on a commencé à reprendre un peu de terrain. On a fait quelques missions, donc 3 missions... standard, 4 missions, non 3 missions standard, 3 missions de héros, et là maintenant on va être obligé d'aller attaquer des hordes d'infectés sur des terrains totalement découverts. On va se servir de nos points d'empire. Grâce à ces points d'empire, on va pouvoir s'acheter des unités, on va pouvoir s'acheter des barricades, et on va tenter de contenir, on va commencer par le bas, une horde de 2504 infectés. Alors c'est parti. Non, c'est pas parti. On a quelques points de savoir à mettre un petit peu partout. Alors là, ça va pas être compliqué. On va aller chercher les barricades. On va prendre défense haute. Ça va nous permettre d'avoir des tours en bois. On va prendre contrefort de bois qui va nous apporter un bonus de vie pour les murs en bois, les portails et les tours. On va prendre barricade. On va enfin pouvoir avoir les pieux. Et ça va être très très efficace, mis à des endroits stratégiques. Et après, il nous reste encore 260 points. Je pense qu'on va tenter d'avoir des unités plus efficaces. Mercenaire qui va nous donner un ranger au début de la mission. Je crois pas que ce soit super intéressant. Mais il faut regarder aussi ce que ça va apporter. Ça va apporter des snipers. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On peut avoir base centrale portée de vue plus 5. Et soldat, portée de vue plus 1, portée d'attaque plus 1, c'est pas mal ça. Tour de guet. Là on a quoi? Armure plus 20% pour les soldats. Unité supplémentaire. Je pense que je vais prendre la portée de vue. Et les soldats plus efficaces. Écoutez, on va tenter avec ça. Je pense que ça peut être pas mal. Alors c'est parti, on se lance. Voilà, alors on a une tour au milieu. Ça c'est quoi? Ça c'est juste un silo, c'est de la décoration. Lors des missions d'attaque, votre objectif est de détruire la horde d'infectés qui bloque la route de votre prochaine mission. Pour détruire la horde, vous pouvez compter sur l'armée impériale, mais vous ne pourrez recruter qu'un certain nombre de troupes et de structures de défense en fonction de votre commandement qui repose sur la quantité de points d'empire que vous possédez. Si le poste de l'officier est détruit ou infecté lors de l'attaque, la mission échoue. La mission commence avec le jeu en pause. Sélectionnez le poste de l'officier pour recruter et placer des unités de structure de défense directement sur la carte. Des unités et structures de défense. Quand vous avez utilisé tous vos points d'empire et que votre déploiement de troupes vous satisfait, appuyez sur le bouton commencer pour lancer l'attaque. Alors c'est parti, voyons. Donc ils vont arriver de partout. De partout. On va utiliser ça. On va en mettre un peu partout. On va essayer de les contenir avec ça déjà. Faut faire attention parce qu'il faut pas que j'utilise tous mes points d'empire pour ça. Il va me falloir... Alors déjà je pense que ce qui serait pas mal c'est d'avoir au moins un ranger ici et un ranger ici pour les attirer. On va prendre des soldats. Ok, on a encore 260 points. On va rajouter des soldats un peu partout. Peut-être quelques soldats par là. C'est pas du tout ça que je voulais faire.
Cet endroit inaccessible, ok, donc il nous reste 62. On a des pieux ici. Des pieux ici. Je pense qu'on va utiliser encore des pieux. On a des pieux là et là. Ils vont arriver de partout, je pense. Il nous reste deux. Ben écoutez, on va tenter comme ça. On a un ranger ici. On n'a que deux rangers, c'est ça. Notre deuxième ranger est là. On a des soldats. On va essayer d'attirer les hordes sur les puits en priorité. Et ensuite, les soldats seront là pour essayer de les achever. On va voir. C'est parti. Alors... j'aurais peut-être pu avancer les soldats. Commencer à leur tirer dessus assez tôt. Je pense que ça serait pas mal. Commencer à les achever. Non, non. Voilà. Voilà. Surveiller, bien sûr. Faire attention que nos soldats ne se fassent pas tuer. On va venir ici pour les attirer par là. Là, il n'y a personne. Hop là. Alors, les unités sont attaquées. Ah oui, déjà. Là, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui les attire. Voilà. Où est-ce qu'on est attaqué? Ici, je pense. Là, c'est bon. Oh là là, là, il y a du monde. Là, c'est bon. Là, on les attire. Là, c'est pas mal. Là, il y a du monde. On va venir là. Alors, nos soldats sont en danger ici. Là, c'est en train de... Oula! Oula, 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 mais il y a du monde là. Là, il y a énormément de monde, là aussi. Là, ça tient. On est attaqué où? Là, d'accord. Est-ce qu'on a un endroit où ils vont être débordés? Ici, j'ai l'impression qu'ils vont être débordés. J'ai l'impression qu'ils vont être débordés un peu partout, en fait. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de monde. Là c'est bon, là c'est pas mal, là c'est un peu juste j'ai l'impression. Ah là j'ai l'impression qu'on est pas mal. Donc on va utiliser eux pour venir ici parce que je pense qu'ici on va avoir une grosse horde. En dessous, les pieux vont pas tenir. Là en haut, je pense que ça va tenir. Et si je fais ça, voilà, pour les attirer dans les pieux qui sont en bas. Là, ça tient. Là, ça tient. On les attire là, sur ces pieux. Ici, il y a une grosse horde qui arrive. Là aussi, là ça va tenir. Là ça va tenir en bas. Et là aussi, je pense. Donc on va se servir d'eux là carrément.
On va servir d'eux pour venir protéger plus bas. Ce qu'on va faire, on va plutôt faire un ici, un ici. Voilà, un là. Là, il faut aller défendre là en bas. Là, c'est bon. On va les attirer par là. Ici, on n'est pas trop mal, j'ai l'impression. Ici, on est... ici, ça a tenu. Au nord, on est bien. Au nord, on est carrément bien. À moins qu'on en ait oublié un, mais je crois pas. Au sud, je pense que ça devrait tenir. On va les attirer là. Maintenant, là, on va monter. Et on va aller s'occuper de la horde qui est ici. Oula, il y en a. Je les avais pas vus. Il y en a qui sont passés. Voilà, là c'est bon. Il nous en reste 230 à tuer. On va les attirer par ici, je pense. Ça serait bien d'aller les attirer un peu sur les autres pointes. Voilà, là, je pense. Je pense que ça serait pas mal de les attirer là. On est pas mal, je pense. On est vraiment bien, même. Ok, je vérifie qu'il n'y en ait pas un qui soit perdu par là. Et qui soit en train d'approcher de la... de la tour, mais non, j'ai l'impression que c'est bon là. Voilà, vous avez vu l'efficacité des pieux. Vraiment. Ah, ça pique, hein. Ça pique. Il en reste un. Voilà qui est fait. Parfait. Succès déverrouillé, tueur d'infecté niveau 3. Félicitations, vous avez détruit la horde et pouvez maintenant continuer l'expansion de l'Empire sur de nouvelles routes. Bah c'est bien ça. On va fermer, on va regarder ce qu'on a récolté. On a dû récupérer quelques points de savoir et d'empire. Et là, on va pouvoir aller sur la côte osseuse. Donc on a récolté... non, les hordes ne donnent rien, vraisemblablement. Si, quelques points d'empire. Parce que je crois que j'étais à 1060 et je suis à 1150. Par contre, ils ne donnent pas de points de savoir. Donc on a toujours 60. Et... on ne peut plus modifier ce qu'on a pris. Mais je pense quand même que la portée de nos soldats et... enfin, la portée d'attaque a été vraiment efficace. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Dès demain, vous aurez la mission suivante. Donc, on ira faire la côte osseuse. Et poissons abondants. Donc, on va essayer de faire des cabanes de pêche. Et on verra ce que ça donne. Merci à tous de m'avoir suivi. Et à très bientôt. Ciao.